2007, Stéphane Turmel fonde à Sainte-Marie-de-Beauce Beaucinox, une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements industriels sur mesure en acier inoxydable. Ce jeune ingénieur n'a alors que 25 ans. Dès son jeune âge, Stéphane fait preuve d'intelligence et de débrouillardise. En 2010, ses nombreux talents lui permettent de sauver son entreprise qui fait face à de sérieuses difficultés. Donc, de façon générale, je considère que j'ai eu une enfance facile. Je n'étais pas un enfant difficile. J'ai eu une enfance heureuse aussi. Stéphane est né le 19 mars 1982. Il est l'aîné d'une famille de 10 enfants. Malgré le bonheur qu'il ressent, la tâche est lourde car il doit s'occuper de ses 9 frères et sœurs cadets. En outre, il prend rapidement des responsabilités à la ferme. Il est débrouillard et travaillant, sage et il ne se plaint jamais. Déjà à l'âge de 7 ans, il conduit le tracteur. À 8 ans, il reçoit un casque à souder, ce qui le rend fort heureux. Il aime faire ses travaux car ils lui permettent de s'éloigner un peu de la maisonnée. Il se souvient du moment où sa mère annonce à la famille qu'elle attend son 10e enfant. Stéphane se met à pleurer à chaudes larmes. Il se demande si toutes les tâches qu'il incombe avec ses frères et sœurs, gardiennage, changement de couche et biberon, se termineront un jour. Donc, je me rappelle un matin d'automne, j'avais 15 ans. Ma mère rentre dans ma chambre un matin, en claquant à la porte de ma chambre pour me réveiller. Je comprends pas. Puis là, elle m'explique que ça se fait pas rentrer le soir puis claquer à la porte, que j'avais réveillé toute la maison la veille quand j'étais rentré tard, puis qu'elle voulait me faire comprendre c'était quoi se faire réveiller en claquant de porte. Faut dire aussi qu'à 15 ans, on était 10 enfants dans la maison. Le plus jeune va avoir un an ou deux. Donc, moi, je me lève, je prépare mes affaires, puis je me disais dans ma tête, j'ai dit, si tu penses que j'ai claqué à la porte hier soir, tu vas voir c'est quoi claquer une porte. Donc, quand je suis parti pour aller prendre l'autobus ce matin-là, j'ai claqué la porte. Je pensais que le cadre de porte allait sortir de sa galerie. Donc, ça en est suivi une discussion pas très élogieuse. Je vois encore ma mère qui me court après, qui tombe dans les marches, puis moi qui crie par la tête. Donc, mais moi, je pars pour l'école, je dis, regarde, c'est réglé dans ma tête, je n'étais pas une personne rancunière. Au contraire, donc je pars pour l'école, puis moi, en embarquant dans l'autobus, c'était dossier réglé, j'ai pas claqué, tu sais, c'était terminé. Je reviens le soir de l'école, je rentre dans la maison, j'ai mes valises qui sont sur le tapis, je comprends pas, ma mère, elle me dit, tu rentres pas ici, on a appelé la DPJ, puis on a peur de toi. Là, j'étais là, je comprenais pas. J'ai passé, je vous dirais de mémoire, là, environ une heure sur le tapis, avec mon linge sur le dos, mes valises en avant de moi, les bras croisés. Je regardais ma mère, je regardais mon père, je regardais mes frères et sœurs. Pas de réaction, pas de discussion, pas rien. Là, je réfléchissais, je me disais, qu'est-ce que je fais? Je ferme ma boîte, puis je me rends jusqu'à mes 17 ans, puis j'endure à rien dire, puis être low profile. Ou je ramasse mes valises, puis je sac mon camp, puis c'est terminé. Donc, j'ai décidé de rester. J'ai ramassé mes valises, je suis redescendu ça dans ma chambre. Je me souviens plus comment que la situation s'était terminée à ce moment-là, mais une chose qui est sûre, il y a un lien qui s'est brisé. Il y a un lien d'attachement qui s'est brisé à ce moment-là. Avec ma mère, oui, mais je pense qu'avec mon père aussi, puis avec la famille en général. Tu sais, il y a un lien d'attachement qui s'est brisé, parce que je me disais, pourquoi moi, avec... Tu sais, je travaille, je fais mes affaires, je suis sage, je suis gentil. Puis, à premier record de conduite, j'ai mes valises sur le tapis. J'ai dit, il y a des gens qui envoient chier leurs parents à la journée longue, à l'année longue, puis ils n'arrivent pas ça. Moi, une fois, j'ai un record de conduite, puis j'ai mes valises sur le tapis. Donc, je vous dirais, ça a été pas mal le seul moment marquant dans ma jeunesse. À l'école, Stéphane a beaucoup d'amis et il est très rassembleur. Personne n'ose l'intimider en raison de son sens de la répartie. Quand j'étais jeune, j'ai vite compris que je ne reprendrais jamais la ferme chez nous. J'étais le premier d'une famille de 10 enfants. Puis j'ai vite compris aussi que mes parents n'avaient pas d'argent nécessairement pour me payer. Donc j'ai commencé, je pense que j'avais 14 ans à travailler pour un autre agriculteur. À 17 ans, je quittais la maison pour m'en aller au cégep, comme la plupart des gens font. Puis je revenais juste l'été, puis je continuais de travailler sur l'agriculteur. Déjà à l'âge de 17 ans, Stéphane Turmel vit une malheureuse expérience qui lui fait perdre beaucoup d'argent. C'est là aussi que j'ai vécu ma première expérience où est-ce que tu te fais avoir dans la vie.
J'avais négocié mon salaire à la baisse en échange d'être payé en dessous de la table, comme on dit. Puis finalement, ben, l'agriculteur en question a décidé de me déclarer quand même. Donc, ma première année de cégep, j'ai eu droit à une déclaration frauduleuse auprès des prêts et bourses. J'ai perdu prêts et bourses pendant les 3 ans de mon cégep à cause de ça. Donc, c'était ma première expérience de la vie, comme on dit. Ah, j'ai toujours travaillé. Je travaillais tout l'été, environ 70-80 heures par semaine, puis je travaillais toutes les fins de semaine aussi chez cet agriculteur-là, puis aussi à d'autres endroits, pour être capable de payer mes études. Évidemment, c'est moi qui payais pas mal mes affaires. Mes parents m'ont acheté un ordinateur durant mon cégep. Donc, ça a été parfait. Ça a été une très belle contribution, très utile. Mais j'ai payé mes études moi-même. Donc, en 99, j'ai 17 ans, puis je m'en vais faire des études en génie mécanique au cégep de Lévis-Lauzon. Mes parents m'avaient dit que ça allait être difficile. Même, ils m'avaient encouragé de ne pas aller au cégep parce que ça allait être trop difficile. Donc, ma première année de cégep, je peux vous dire que j'ai étudié comme je n'avais jamais étudié. J'avais tellement peur de ne pas réussir. Pour finalement, 3 ans plus tard, terminer premier de ma promotion avec des notes incroyables dans tous mes cours. Donc, en 2002, je suis rentré à l'université à l'ETS à Montréal, l'École de technologie supérieure, pour faire mon bac, que j'ai aussi réussi très bien. En fait, normalement, ça prend 4 ans. Je l'ai fait en 3 ans avec des super de bonnes notes. Puis, pourquoi j'ai fait en 3 ans? J'avais un objectif. Je voulais arrêter de payer mes études puis commencer à travailler. Stéphane a la fibre de l'ingénierie en lui. Lors de son stage, il se démarque à un point tel qu'une offre inespérée se présente déjà à lui. Donc, durant mon université, j'ai fait mon premier stage, en fait, mon seul stage, dans une entreprise qui s'appelait Qlutal à Sainte-Marie-de-Beauce. J'étais chargé de projet là-bas. J'avais été embauché, oui, comme stagiaire, mais comme futur associé du patron de l'endroit. Donc, j'ai fait mon stage 8 mois. Ensuite, je suis retourné finir mon bac, puis à vitesse grand V. Mon objectif, c'est de revenir travailler. Après mon bac, je suis revenu travailler pour l'entreprise Qlutal, puis j'ai commencé à mettre des sous, à mettre de l'argent pour acheter un fameux 20% d'actions. Donc, en novembre 2008, l'entreprise Qlutal a été contrainte de faire faillite. C'est à ce moment-là que j'ai démarré l'entreprise Beaucinox. Modestement, j'avais pas d'argent, je venais de perdre beaucoup d'argent dans la faillite de Qlutal. Donc, j'ai reparti ça avec les moyens du bord. J'ai racheté du syndic tous les équipements. J'ai loué les locaux du propriétaire. J'ai loué les locaux du propriétaire pour pouvoir démarrer l'entreprise. Les 2 premières années, ça a été correct, mais pas facile, mais c'était ma réalité d'entrepreneur. Je startais une entreprise à zéro, puis moi, je savais pas c'était quoi de travailler dans une entreprise prospère, parce que ma première expérience de travail chez Qlutal, l'entreprise a fait faillite. Donc, moi, j'ai reparti Beaucinox, puis c'était pas mieux puis pas pire que quand j'étais dans Qlutal. Donc, pour moi, c'était la réalité, c'était la vraie vie, c'était ça, avoir une entreprise. Après 2 ans, j'ai fait un coaching de gestion avec une personne, puis le résultat final de son rapport, c'était tu dois te départir d'une personne clé dans ton entreprise, sinon tu vas faire faillite. Donc, ça a été un coup incroyable pour moi. Donc, en 2010, je prends la décision en début d'année d'abolir le poste de mon ancien patron. Parce que j'avais pas le choix, sinon l'entreprise Beaucinox s'en allait en faillite. Donc, en 2010, je décide d'abolir. 2010, ça a été une année incroyable dans ma vie. J'ai commencé 2010 en mettant à porte mon mentor, mon premier associé. Ensuite, s'est ensuivi une série de poursuites de déboires judiciaires aux normes du travail, poursuites pour me faire évincer de mon local. Effectivement, Stéphane reçoit une lettre des normes du travail concernant le congédiement de son ancien associé et un avis d'audience en cours. Finalement, Stéphane s'entend avec ce dernier et règle à l'amiable. Donc ça a été les débuts de Beaucinox, puis les débuts de 2010, ça a été ça. De plus, à cette même époque, son père décède d'un cancer alors qu'il n'a que 51 ans. Comble de malheur, 2 ans plus tard, son frère Jean-Michel décédera à son tour à 18 ans. Par-dessus ça, l'entreprise ne faisait pas d'argent. Donc la caisse s'en est mêlée. Ils ont coupé ma marge de crédit. Ensuite, mon directeur de compte personnel s'en est mêlé aussi. Il a décidé que mes marges de crédit personnelles qui avaient été injectées dans l'entreprise, ça faisait plus. Je les utilisais comme un prêt, pas comme une marge de crédit. Ils étaient remplis à plus que 80 % de leur capacité.
Donc, il a décidé de transformer mes marges de crédit en prêts avec des remboursements sur une échéance puis des taux d'intérêt incroyables là, sur 2 ans, je pense. À ce moment-là, j'avais dit à mon directeur de compte personnel, j'avais dit, écoute, je comprends ta situation, je comprends que vous avez peur, qu'il y a un risque pour vous autres, mais j'ai dit, maintenant, vous allez me laisser parler. J'ai dit, si vous faites ce que vous venez de me dire là, que vous virez mes marges de crédit puis que vous coupez tout ce que vous êtes en train de vouloir me couper pour mettre ça à votre goût à vous autres, demain matin, je n'aurai pas le choix puis je vais le faire de façon très sereine. Je vais venir vous porter mes clés puis je vais me mettre en faillite. J'ai dit, ça ne me fait pas peur du tout. Je viens de passer au travers d'une entreprise qui a fait faillite. Je sais exactement c'est quoi. Puis je sais à partir de quand qu'on est obligé de passer par là. Donc, la personne qui était assise en avant de moi m'avait regardé. J'avais 25 ans à ce moment-là, 26 ans. J'avais 26 ans ou 27 ans, je ne me souviens plus exactement. Elle m'avait regardé et elle a dit, c'est correct. Je vais te donner un an de plus. On se rassoit ensemble l'année prochaine. Puis on réévaluera ce moment-là. Donc, un an plus tard, quand je me suis assis avec cette même personne-là, j'avais plus de dettes. J'avais tout remboursé mes marges de crédit. Mes cartes de crédit étaient toutes vidées. L'entreprise avait généré de l'argent suffisamment pour tout me payer ce qu'elle me devait. Ça a été la vraie naissance de Beaucinox, là, c'est passé en 2011. Donc, le 2010, c'est une année charnière. C'est une année incroyable. C'est une année que je vais me souvenir toute ma vie. Puis à ce moment-là, ma conjointe était dans le déni complètement. Elle vivait ça par en arrière. Moi, j'étais pas une personne qui souffrait de ça. J'étais pas une personne qui était stressée de ça. Parce que c'était ma réalité, j'avais rien à perdre, puis c'était comme ça que c'était mon entreprise. Par contre, elle, au niveau financier, ça la stressait énormément. Les déboires financiers de Stéphane sont effectivement une source de stress pour son épouse Véronique Alain. Elle détient la moitié de la maison et assume financièrement les dépenses familiales. Donc, comme ce n'était pas suffisant en 2010, en plus d'avoir des problèmes financiers dans Beaucinox, j'ai aussi eu des problèmes financiers personnels. Parce que dans la faillite de Qlutal, j'étais pas actionnaire, mais par contre, j'étais administrateur. Ce qui fait en sorte que j'étais responsable auprès du ministère du Revenu, des TPS TVQ, puis des déductions à la source payées aux employés. Donc, en 2010, j'ai reçu aussi des avis de saisie de mon compte en banque. Ma conjointe a reçu des dettes d'avis de saisie parce qu'on était les deux propriétaires d'une maison à ce moment-là. Donc, elle aussi a reçu des lettres enregistrées du ministère du Revenu. On leur devait 70 000 $ à ce moment-là. C'était un montant préliminaire parce que la faillite n'avait pas été réglée encore de Qlutal. Mais par contre, c'est quand même le montant que j'avais reçu la première fois. Finalement, ça s'est soldé pour, de mémoire, environ 40 000 $ que j'ai dû payer. Là. Mais donc, en plus d'avoir pas d'argent dans l'entreprise, de vivre tous ces problèmes-là financiers, j'avais au personnel que je me faisais ramasser pour l'autre entreprise d'avant, dans laquelle je n'étais pas actionnaire, mais j'étais plutôt administrateur. Je peux dire que j'ai jamais été à l'université en administration, mais j'aurais peut-être droit à un doctorat honoris causa là-dedans, par contre. Une autre épreuve financière extrêmement difficile attend Stéphane Turmel. Il reçoit un retour d'impôt de plus de 65 000 $ pour les pertes de ses investissements dans Qlutal. Malheureusement, quelques mois plus tard, il reçoit une lettre du gouvernement disant que son remboursement est finalement refusé et qu'il doit retourner le montant. Stéphane n'a que 28 ans. Un gros tracas financier pour un aussi jeune homme. Donc, malgré tous les problèmes qui sont survenus en 2010, il y avait quand même une lueur au bout du tunnel. Donc, avec l'avocat que j'avais eu la chance de me prendre, avec tous mes problèmes et mes poursuites qui étaient rentrées, à la fin de 2010, je parviens à reprendre possession des bâtiments dans lesquels j'étais locataire par une saisie. Donc, début 2011, commence en force. Je deviens propriétaire des bâtiments où est-ce que je suis actuellement installé. Je suis rendu chez nous. Tous mes problèmes financiers sont en voie de se régler. Puis c'est le début de la vraie croissance de Beaucinox à ce moment-là. La vie d'un entrepreneur, c'est parsemé de paradoxes, de nombreuses embûches. Aujourd'hui, en 2018, je suis en train de faire un agrandissement assez incroyable de ma bâtisse de 25 000 pieds carrés avec l'achat de machinerie. J'ai un financement de 3,6 millions par différents partenaires financiers. Puis il y a 8 ans, pour moins de 100 000 $ j'étais menacé de me faire fermer. Donc la vie change, on grandit, on évolue, il faut avoir confiance, il faut voir par en avant, puis il faut travailler fort. Si j'avais un conseil à donner, c'est de ne pas désespérer. C'est d'avoir espoir, c'est de travailler fort, c'est de se faire confiance. Il y a toujours une solution, malgré tous les problèmes, les embûches que vous pouvez avoir.
Les solutions sont là, ils existent. Parfois, on les voit pas. Parfois, ils paraissent impossibles, insurmontables. Mais il y a toujours moyen de s'en sortir. J'ai eu toutes les occasions du monde d'abandonner, de fermer mon entreprise, de passer à autre chose. J'ai même eu des offres d'emploi, des offres de me faire racheter. Mais j'y croyais à mon projet. Peut-être naïvement à certains moments, mais j'y croyais. Puis j'y crois depuis, tu sais, j'y crois encore aujourd'hui. La preuve, c'est qu'on regarde par en avant, on a le vent dans les voiles, puis l'entreprise fonctionne très bien. Stéphane Turmel n'a pas baissé les bras lorsque tout semblait s'écrouler sous ses pieds. Encore aujourd'hui, il fonce vers l'avenir avec confiance et optimisme. Ce jeune industriel prospère est l'image incarnée du dicton « Lorsque l'on veut, on peut ». C'est ça la vie.